Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce joli bonnet, ce bonnet d'hiver qui est très chaud avec un joli point très 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 facile à faire. Donc on va faire un bonnet et une écharpe. L'écharpe c'est facile, on va utiliser le même point pour le bonnet, on va l'utiliser pour faire l'écharpe. On va commencer tout de suite. Je vais utiliser ce fil Yarn Art de Finlande. La pelote fait 100 grammes et 200 fait 100 grammes et 200 mètres de long. C'est 100% acrylique. Et je vais utiliser un crochet numéro 5. J'aurai besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, de marqueur et d'un centimètre pour mesurer. Voilà, je commence par faire un nœud. Et ensuite, on va faire 50 mailles. La maille, je tourne le fil, je fais sortir du nœud. Je prends le fil et je fais une maille. Je vais en faire 50. Continuer à faire ces comptes et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 50 mailles. Donc on va commencer le premier rang. Donc je commence par faire 2 mailles en l'air qui vont compter pour une première bride. Je mets un marqueur sur la dernière maille. Donc j'ai fait 2, je saute la première et je prends le fil pour aller faire ma deuxième bride. Donc je fais un jeté et je tire une boucle, ensuite un jeté, je vais laisser tomber 2, un jeté et je laisse tomber les deux dernières boucles. Voilà, les 2 mailles qu'on a fait et la première qu'on a sautée, ça fait une bride et ça c'est la deuxième bride. Pour faire la bride, je prends le fil, je fais un jeté comme ça et je vais m'introduire dans la maille et je prends le fil sur le crochet, je tire une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet, donc je fais un jeté encore, je laisse tomber 2, un jeté et je laisse tomber les 2 dernières. C'est la bride. Donc on va faire tout un rond de bride en laissant les 7 dernières mailles. Et cette dernière, avant de finir, on laisse cette dernière maille qu'on va faire en maille serrée. Donc, je continue mon rang en bride. Comme ça, dans chaque maille, je fais une bride. On continue à faire une bride en laissant les 7 dernières. Là, on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait des brides sur ces mailles-là. Il me reste 7. Sur ces 7 mailles, je vais faire des mailles serrées. Donc, faire une maille serrée, j'introduis le crochet dans la maille, je prends le fil, je le tire, je tire une boucle, je fais un jeté et je laisse tomber les 2 boucles. Ça, c'est la maille serrée. Donc, une première maille serrée. Si j'ai peur d'oublier, je mets un marqueur sur la maille pour savoir où j'ai commencé mes mailles serrées. Vous pouvez mettre un marqueur ici. Ensuite, je fais des mailles serrées sur les 6 dernières qui restent. Voilà, la maille serrée. J'introduis, je tire et je fais un jeté et je laisse tomber les 2 boucles. Donc on fait des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Et voilà ma dernière. Oui,
Je fais une maille serrée sur chacune de ces mailles-là. Voilà ce qu'on va obtenir. Des brides ici et des mailles serrées en haut. Je tourne mon travail et sur le brin arrière, celui-là, je vais faire des mailles serrées. Donc, le deuxième rang, c'est un rang de mailles serrées. Je commence comme ça. Je vais mettre un marqueur sur la première maille serrée que j'ai fait ici. Voilà. Et je fais des mailles serrées sur tout le rang, mais seulement sur le brin arrière de la maille. Je continue, j'arrive à la septième maille. J'enlève mon marqueur d'ici. Et je vais le remettre ici. Sur les brides maintenant, on arrive aux brides, on va faire des mailles serrées sur chacune des brides, mais il y a les deux brins, celui-là et celui-là, donc nous on va travailler des mailles serrées sur le brin arrière. Donc on va faire tout un rang de mailles serrées jusqu'à la fin. Pour continuer en mailles serrées jusqu'à la fin. Et on se retrouve. J'arrive. Donc j'ai fait un rang de mailles serrées. J'arrive à la dernière. Je vais retirer le marqueur et faire une maille serrée sur brin arrière aussi. Voilà. Je tourne mon travail. Voilà ce que vous allez obtenir. Je tourne mon travail donc. Et je fais deux mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je mets mon marqueur sur la dernière maille, comme ça. Je vais sauter cette maille, la première, et je vais prendre le fil, aller m'introduire sur le brin arrière de la deuxième maille et faire une bride. Donc, je vais faire comme le premier rang, tout un rond de maille de bride, mais sur le brin arrière de la maille. Voilà les deux brins. Nous, on va travailler sur le brin arrière. Donc, faire des brides sur le brin arrière jusqu'en arrive où on a commencé les mailles serrées. Voilà. On continue comme ça. Continuez à faire des brides sur le brin arrière jusqu'à ce que vous obteniez votre marqueur où on commence les mailles serrées. Okay, j'ai terminé la partie des brides et j'arrive à la partie des mailles serrées. Donc le marqueur me rappelle que là je dois faire des mailles serrées. Donc j'enlève le marqueur et je vais faire des mailles serrées, mais également sur le brin arrière de la maille. Donc la maille, les deux brins, moi je vais travailler ici, je m'introduis pour faire ma maille serrée. Et je fais sur le brin arrière pour ces mailles-là. Donc, comme ça. Encore une maille. L'avant-dernière. Et j'arrive à la dernière maille. Mon marqueur, il est sur les deux brins. Donc c'est bon. C'est une bonne chose. Donc, et j'enlève le marqueur. Et je m'introduis pour la dernière sous les deux brins. Et je fais ma dernière maille serrée. Pas seulement sur le brin arrière, mais sous les deux brins. Donc j'ai fini ma dernière maille serrée. Je tourne le travail. Et sur ma première maille, je vais faire une maille serrée
maille serrée sur la première maille, mais sur brin arrière. Une maille serrée sur la deuxième. Je reviens, je mets mon marqueur sur ma première maille. Comme ça, je me rappelle. Et je continue. Le troisième rang, le quatrième rang, c'est le rang 2. C'est la même chose que le deuxième rang. Donc, on va faire un rang de mailles serrées sur le brin arrière. On va faire un rang de mailles serrées tout le long, jusqu'à la fin. Donc, on continue. Vous répétez le rang 2. On continue juste comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc on arrive au rang 5. Je vais tourner mon travail. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc je tourne mon travail. Le rang 5, c'est une répétition du rang 3. Je fais deux mailles en l'air. Je vais sauter la première, aller dans la deuxième mais sur le brin arrière et faire une bride. Je continue tout un rang de bride, mais je n'oublie pas de remettre le marqueur. Donc j'ai fait deux mailles sur la deuxième maille là. Ça c'est ma première bride. Les deux mailles chaînettes, donc je mets le marqueur sur celle d'en haut. C'est là que je vais m'introduire. Pourquoi je mets les marqueurs ici? C'est pour avoir des lisières bien nettes. Soit que ce soit ici et que ce soit ici, parce que si vous oubliez la dernière maille, votre lisière ne sera pas parfaite. Donc n'oubliez pas de remettre vos marqueurs et là on va continuer à faire un rang de bride. C'est le rang 3 répété, donc un rang de bride jusqu'à ce qu'on arrive ici. Là où on a mis le marqueur pour les mailles serrées, et je fais 6 mailles serrées sur le brin arrière. La dernière, je fais une maille serrée, mais en prenant les deux brins. D'accord? Donc, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on termine ce rang 5 et on se retrouve. J'ai terminé la partie des brides, j'arrive à la partie des mailles serrées. J'enlève mon marqueur et sur brin arrière, je m'introduis pour faire les mailles serrées. Donc je fais la première, je remets mon marqueur. Je continue. Mailles serrées jusqu'à la dernière maille. Et mais je travaille que sur le brin arrière. Donc j'enlève le marqueur et là sur la dernière, je ne travaille pas seulement sur le brin arrière, mais je m'introduis sous les deux brins et je fais ma dernière maille serrée. Là pour faire le rang suivant, je tourne mon travail et je vais faire tout un rang de mailles serrées. Tout un rang de mailles serrées, donc je commence. Dès la première, je fais une maille serrée. Et j'introduis mon marqueur pour ne pas me tromper pour la suite. Je continue tout un rang de mailles serrées. Les marqueurs, ça dérange un peu, mais ça permet d'avoir un travail bien net. Parce qu'on risque d'oublier. Voilà. Je continue donc mes mailles serrées sur le brin arrière jusqu'à la fin du rang. Ensuite, voilà, vous continuez jusqu'à la fin du rang en mailles serrées et
Ensuite, ce que vous allez faire, c'est une répétition du rang 2, du deuxième rang et du rang 3, et du troisième rang. Donc après ce rang qui est une répétition du deuxième, on va faire une répétition du troisième rang. Donc ça va être 2, 3, 2, 3, 2, 3. Donc vous allez, on va vous mesurer, voilà moi, mon bonnet il fait 36 cm, 36 et demi. Mon bonnet fait 36 et demi. Voilà, attendez. 36 et quelques. Donc ça peut aller jusqu'à 37. Bon, donc on va continuer comme ça. On va continuer comme ça en répétant le deuxième rang ici. Donc c'est un rang de mailles serrées. Après c'est des mailles serrées ici et des brides. Ensuite c'est un rang de mailles serrées. Ensuite rang mailles serrées jusqu'à la septième. Des mailles serrées jusqu'à la septième. Ensuite des brides. Donc c'est une répétition du deuxième et troisième rang. On va travailler comme ça jusqu'à faire 48 rangs. 48 rangs, donc vous travaillez 48 rangs ou bien tout en travaillant, vous mesurez le tour de la tête de la personne à laquelle sera destiné ce bonnet. Et essayez de ne pas faire trop large parce que le point, regardez, si la personne tire sur le bonnet, il va s'étirer. Donc, il vaut mieux faire un bonnet qui tient, qui entoure bien la tête, pas plus. Donc, voilà, continuez jusqu'au 48e tour ou 48e rang ou bien jusqu'au tour de la tête de la personne et on se retrouve. Voilà ce qu'on va obtenir à la fin. Donc voilà, c'est la partie basse du bonnet et la partie haute. Pour ma part, j'ai pas fait 48 rangs. J'en ai fait que 45, je pense, parce que ce bonnet, il est destiné pour mon mari. Hein, il est pour maman. Et mon mari, il n'arrête pas de tirer sur le bonnet. Donc à la fin, il devient trop large. Celui-là, je vais le faire un peu serré. Voilà, je termine le bonnet comme ça. Donc voilà, ça c'est la partie basse et ça c'est la partie haute. Maintenant, vous avez les deux côtés. Un côté comme ça, qui peut tout aussi être bien, mais moi je préfère celui-là. C'est un genre, c'est comme s'il y a un genre de plissé. Non, pour faire les coutures, je vais utiliser mon crochet. J'enlève mon marqueur, et je m'introduis dans la dernière maille. Ça c'est la face, donc je fais face sur face et je m'introduis dans la dernière maille ici également. Je fais une maille coulée. Ensuite, je m'introduis dans la suivante comme ça. Je fais une maille coulée. Et dans la deuxième ici. Dans la suivante ici sur l'autre côté. Et je fais également une maille coulée. Une maille coulée sur le côté et sur la suivante en face. Je cherche ma maille suivante, c'est celle-là. Donc je sors mon fil et je m'introduis dedans pour faire une maille coulée. Une maille coulée ici sur ce côté. Et une maille en face, je m'introduis en face pour faire une autre maille coulée. Je continue comme ça, je fais une maille coulée sur ce côté et je m'introduis en face. Ça c'est une façon de faire, il y a plusieurs, vous choisissez, vous pouvez même coudre avec une aiguille. Donc ça, c'est la maille coulée en zigzagant. Et je m'introduis en face, la maille en face, et je fais également une maille coulée.
Regardez ce que j'en tiens et ce que vous allez avoir de l'autre côté. On ne verra pas la couture. D'accord? Je continue comme ça jusqu'à la fin de mon bonnet et on se retrouve. Voilà, je continue mon travail. Je continue à coudre jusqu'à la fin. Je m'introduis dans la dernière maille et je termine la couture du côté. Voilà. J'ai fini la couture de ce côté. Il me reste à faire le tour ici. Je prends l'aiguille, je prends le fil. M'introduire. Je vais faire un faux filet. Je vais faire le tour du haut du bonnet. Et voilà, j'arrive à la fin ici. Mon filet du début. Je tire sur les deux côtés. Et je serre. J'essaie de serrer le maximum. Et je fais des nœuds.
Maintenant, je vais cacher tous ces fils. Là, si vous décidez de faire un pompon, vous pouvez, mais même pour moi, non, parce que c'est pour mon mari. Donc, je ne vais pas faire de pompon là. Je vais juste serrer le haut du bonnet. Et ensuite, je cacherai les fils. Voilà notre bonnet une fois terminé. Voilà les coutures. Comment j'ai fait? J'ai caché tous les fils. La couture du côté, ce qu'on a fait au côté, le point, la maille coulée zigzag, ça donne ça. Donc voilà, le bonnet. Comme ça. Et en plus, on plie la partie. Et vous avez la couture qui est visible ici. Voilà, notre bonnet termine une fois terminé. J'ai fait en même temps une écharpe pour mon mari. Donc, combien j'ai fait? J'ai fait 1,50 m. 1,50 m de longueur. Je vais travailler les mailles comme ça. J'ai fait les mailles comme ça. Je vais comme ça, 1,50 m. J'ai mesuré d'ici à ici. J'ai pas travaillé dans ce sens. J'ai pas travaillé comme ça, mais plutôt dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rangs. 19 rangs, ce qui m'a donné une largeur de 20 cm. J'ai fait un nombre de mailles qui me donne une longueur de 1,50 m et j'ai travaillé ce nombre de rangs qui m'a donné 20 cm de largeur. Et ça, c'est le côté dos. La face, c'est ce point-là qu'on a travaillé, qu'on a essayé d'avoir. C'est le même pour le bonnet. Et voilà. Et j'ai fait ces brins-là vers la fin pour augmenter un peu la longueur et c'est tout. Pour le bonnet, pour une pelote de 100 grammes, voilà ce qu'il me reste de la pelote de 100 grammes pour faire le bonnet. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. J'ai utilisé le même point qu'on a utilisé pour le bonnet, c'est le même. J'ai fait un nombre de mailles comme ça, dans ce sens-là, et j'ai travaillé un rond de mailles serrées et un rond de bride. Un rond de mailles serrées et un rond de bride sur le brin arrière. Et ça va donner ça. Donc c'est un ensemble pour mon mari. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez compris mes explications. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de le like, et merci pour si vous la partagez, et merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouvera dans une autre vidéo, Inch'Allah.